Malo, c'est toi qui as fait le travail. Malo, c'est toi qui as saoulé Viviano. Malo, c'est toi qui as fait cela. Malo, on doit partager partout. Oh, oh, Malo, oh, Malo, amof. Malos, hein? J'ai vu Steve Fa commenter ça. J'ai vu les gens que au début et ils bavardaient que oh, 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 oh. Ils ont commenté. Tu sais le pourquoi, mon père? Parce que tu as fait ce que les gens n'ont pas pu faire. Tu as fait ce que les grands frères de la musique n'ont pas pu faire pour aider le vert ou jaune culturellement parlant. Tu as réuni tous les artistes. Quand on dit tous les artistes, ce n'est pas artiste musicien. Parce qu'il y a des gens que quand on dit que l'autre est artiste, ils disent seulement que, oh, ils chantent quoi? Tu as pris les comédiens, les humoristes, les chanteurs, les danseurs, mon père, tu as tout pris. Pour faire le clip là, moi j'ai dit que yeah! Est-ce que ça doit marcher? Les ancêtres m'ont parlé que non. Le truc, il doit marcher. Voilà seulement l'exemple. On a programmé le clip. On a fermé tous les ondes. Même Douala ne vendait pas. Parce que tout le monde était concentré sur le clip. Malox, tu as droit à deux jujubes des chefs. Et je vais demander aux blogueurs, aux influenceurs, aux TikTokers, aux Facebookers, vraiment, partagez ça au maximum. Mettez ça sur vos pages, vos différentes plateformes. J'interpelle tous ceux-là qui influencent nos vies. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas artistes, qui ne sont pas musiciens, qui ne sont pas influenceurs, qui parlent comme ça, qui ne sont pas blogueurs. Mais ils ont des pages qui influencent. Je parle comme ça des gens comme les Francis Ngannou. Vous avez des pages que non. Rien que regardez ta page, ça l'influence. Parce que vous avez déjà une autorité supérieure. On les voit dans les villages. Il y a des gens qui peuvent mourir pour vous. Que rien que tousser du nom de Francis Ngannou. Non. On peut bagarrer même 3 jours parce qu'on défend Francis Ngannou. Qui veut dire quoi? Si Francis Ngannou dit que allons regarder la chanson de Vivien sur YouTube, tous les millions d'abonnés que vous avez, grand frère, tous les millions d'abonnés que vous avez, le père, tous les millions d'abonnés que vous avez, on doit aller regarder le son de Viviane sur YouTube. Ainsi que vous, Samuel Eto'o, ainsi que vous, si vous demandez aux fidèles de l'Église
d'aller regarder le clip là, d'aller regarder la chanson là sur YouTube. Ça serait comme la parole du pasteur devant ses fidèles. Ils vont écouter ça. Ils vont aller regarder. Pardon, Vanister, je connais que tu n'es pas ingrat. Mets ça sur ta page. Tu es l'homme du moment. Que tous ceux-là qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, mettez ça sur votre page. Partagez ça. Mettez en statut. Regardez et regardez. Si quelqu'un ne connaît pas, prends son téléphone, tu regardes, tu mets. Prends son téléphone, tu mets. Là, ça doit soulever notre verre rouge, très haut, culturellement parlant. En bon entendeur, salut. Moi, je parle, moi, au lieu sacré, montrer aux ancêtres, parce qu'il faut que les ancêtres voient aussi. On veut nous l'aider.